monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude les gars, je suis pas tout seul, je suis avec Erwin. Hola gringos et gringas. Comment ça va? Super, et toi? Ouais, tranquillement. Il y a le frérot toujours, présent. Donc qu'est-ce que tu nous as ramené aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai ramené une RS3 8Y performance avec jantes BM, puisque faut-moi ça. Petite regarde couleur du seigneur. Elle est magnifique. Couleur d'origine, il faut le préciser. Oui et non, parce qu'il y a un jeune PPF. C'est ça, le petit PPF. Et mais en dessous, c'est du bleu Nogaro pour rappeler la RS2. Ça la rend mat en fait. Ouais, c'est ça. La peinture, elle est brillante. Là, ça elle est magnifique. En vrai, c'est exactement la même que j'aime, quoi. C'est lui qui m'a copié, c'est pas moi qui l'ai copié. C'est ça, voilà. Il a pris exemple. Regardez les gars, la calandre tout en noir brillant. Avec le petit logo RS3 en noir. Les phares, ils sont incroyables. Ouais. Quand tu nous suivais tout à l'heure, là, je voyais la signature lumineuse, elle est magnifique. D'ailleurs, la différence sur ce modèle-là, c'est que le phare côté conducteur, ouais, au lieu d'afficher RS3, il affiche 300, parce qu'il y a 300 exemplaires, okay, et qu'il y a plus qu'à 300 km/h. Okay. C'est important, surtout en ville. Ouais. Regardez les gars, donc les gens de BMW, c'est ça? C'est ça. BMW M3, je précise. Avec le petit logo RS à ce niveau. Avec les céramiques qui vont. C'est ça. Ça, c'est les céramiques Bugatti. Ah, tu vois. Certifié. En vrai, ça doit bien freiner à froid. Tu me disais que non, mais par contre. Ouais, à froid, non, c'est pas top. Mais dès que c'est chaud, ouais, ça, on peut répéter, ça, ouais, ça couine pas. C'est ça. Ça freine toujours bien. Franchement, c'est top. Coque de rétro en noir. Après, regardez, là, le toit ouvrant. Après, les gars, pour ceux qui veulent le suivre sur Insta, n'hésitez pas à lui donner de la force. Franchement, elle est magnifique. Regardez la couleur au soleil, comment elle est incroyable. Donc ici, on a une espèce de prise d'air. C'est beau, ça. C'est pour refroidir la portière, parce que à partir de 300, ça commence à chauffer un petit peu. La portière commence à faire ça. Ouais, c'est pas. Ils ont pensé à ça. Moi, je trouve ça génial, franchement. Non, franchement, elle est incroyable. Regardez les gars, le trois quarts arrière. Tu viens d'avoir le permis, c'est ça? Ouais, il y a deux semaines, mais c'est la première bagnole. RS3 perf. Je tiens à préciser qu'il ne sait pas trop conduire encore. Allez-y, va être beau. J'ai pas encore fait de jante. C'est déjà ça, tu te garer au moins. Ouais, bah tu vois, j'ai pas voulu me garer là-bas parce qu'il n'y avait pas assez de place. Là-bas non plus, c'était juste du encore. Coup, on s'est dit au moins on est tranquille. C'est ça. Regardez les gars, les logos en noir. Les logos noirs, c'est d'origine? Sur la perf, c'est d'origine, oui. Logo noir, calandre noir. Il n'y a pas de chrome en fait. Ouais, sur la perf, c'est d'origine, pas de chrome. Regardez le diffuseur, tout en noir brillant aussi. En même temps, je suis déjà noir, ça suffit déjà quoi. Même à fleurs, tu sais. Ouais, non, franchement, il tue. Après, là, l'échappement sport aussi, une option. Bon, c'est ma voiture, mais je peux quand même la critiquer quoi. Ah, ben vas-y. Moi, je suis pas trop fan du pot d'échappement à l'arrière. Je préférais sur les anciennes, les 8V, où elle sortait et qu'elle s'assumait, tu sentais qu'elle était là pour, ouais, pour moi, casser. J'aime bien la fleur, tu vois. Ouais, moi j'aime bien aussi, ouais. Ouais, j'aime bien. En fait, ça, on aime toujours ce qu'on apporte. Regardez les gars, le béquet. C'est ça, en fait. Pareil, c'est magnifique. S'il sort, t'aimes le rentrer. Si tu rentres. Ouais, c'est ça. Ça, c'est l'être humain, on n'est jamais satisfait, ouais, en vrai. Et ouais. La vérité. Regardez les gars, comment elle est incroyable, franchement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la config. Au niveau de l'intérieur, donc ici, on y retrouve une espèce de cure plastifié. À ce niveau, de l'alu brossé. Après ici, de l'alcantara. De la surpiqûre bleue à ce niveau avec du cuir. Après, en option, la Sono Bang & Olufsen. Le seuil de porte RS3. Après, le frérot, il a personnalisé les tapis, ils ont mis RS3. Tapis RS! C'est ça. Le petit pédalier en alu. Après, regardez les gars, les sièges, comme ils sont incroyables. Donc, ça, c'est des sièges spécifiques à la RS3 perf, c'est ça? C'est ça. Siège carbone, Alcantara, béquet. Ah, franchement, ils sont magnifiques. Et regardez les gars, je vais vous montrer les sièges à l'arrière. Oh là là, ils sont incroyables. Après, niveau maintien, ça va, je pense que c'est bien. Sincèrement, oui, ça. Ouais. Après, de toute façon, on roule pas très vite avec ça, donc il n'y a pas de souci avec ça. Niveau confort, franchement, top. Ouais. Super confortable. Okay. Jamais de mal de dos. Bon, non, franchement, rien à dire. Okay. Au niveau du volant, donc on y retrouve un volant en cuir, il y en a Alcantara, les gars, avec le petit rappel à 12h en bleu. De l'Alcantara à ce niveau, avec de la surpiqûre bleue. Ça, le volant, c'est toi qui l'as changé. Hein. Oui, c'est volant R8 sur mesure, parce que je voulais, okay, absolument que la couleur au midi, ouais, soit exactement la même que la couleur du véhicule. Okay. Palette Urus. Ah oui, putain, elles sont belles les palettes. Hein. Le centre du volant, pareil, avec la surpiqûre bleue. Ici, les gars, tout ce qui est mode de conduite. Ça, c'est quoi? C'est pour le mode circuit? Ça, tu appuies dessus, tu passes en mode sport direct. Ok, d'accord. Sans intermédiaire, c'est, ouais, direct. Direct dans le tas.
là les gars, pour les clapets, pour démarrer la voiture. Après, regardez les compteurs, pareil, ils sont magnifiques avec toutes les données, puissance, couple, etc. Après ici, les bus d'aération. Après, le frérot, comme il m'a dit qu'il avait tout mis dans sa voiture, en fait, il a installé la télé parce qu'il vit dedans. J'ai plus de budget, donc... Du coup, vu que c'est le prix de l'appart, il me dit... Mais à part ça, c'est incroyable quand même. Ouais, non, de ouf, de ouf. Regardez les gars, c'est incroyable. Toutes les chaînes et tout, hein. Après, donc là, tout ce qui est mode de conduite pour enlever le start and stop, les feux de détresse, etc. Pour démarrer aussi à ce niveau. Donc la boîte de vitesse. La boîte, c'est une boîte de vitesse combien, 7 rapports? 7 rapports, ouais. Ok, d'accord. Et après ici, tout ce qui est frein à main. Après ici, on y retrouve la petite plaquette. Donc, première sur 300, avec du carbone. Et après, regardez forcément l'auto-ouvrant pour profiter de la sonorité du 5 cylindres. Et franchement, les gars, je vous remonte les sièges, mais ils sont magnifiques. Le seul truc que j'ai à rajouter, c'est vu que moi, je suis contre l'écologie, ouais. J'ai enlevé le start and stop. Comme ça, ouais, il ne se réactive plus et puis on n'en parle plus. C'est ça, t'as bien fait. Parce que franchement, c'est relou ça. Donc les gars, au niveau du moteur, donc, on y retrouve le fameux 2,5 litres TFSI. Donc là, qui fait 407 chevaux, c'est ça? 407 chevaux. Ok. Regardez, pour l'instant. Les gars, c'est magnifique avec les 5 cylindres. Tu comptes faire une prépa? Éthanol. Ouais. Après, rajouter des chevaux, pas forcément, peut-être 30, mais c'est pas, je suis pas à la recherche de chevaux. Ouais, t'es pas à la recherche de chevaux, juste l'éthanol. Après, t'as encore le filtre à air d'origine? Oui, j'ai rien touché encore. Ok, d'accord. Après, niveau conso, ça va ça... Franchement, oui, c'est raisonnable. 7, 8, 9. Ah ouais, putain, ça consomme pas. Ouais. Wow, c'est abusé. Ouais. Toi, t'es à 12, 13. En fait, tu roules vite, toi, quand même. En fait, plus tu roules vite et moins elle consomme. Moi, je tourne au 12. Hein. Ah ouais? Ah ouais, tout le temps. Non, après, mais. En moyenne. Oui, oui, en moyenne. Ouais. Putain, elle consomme rien du tout. 7, arrête. Incroyable. Je te promets. Avec mon autre voiture, je suis à 8. Bah, non, parce qu'après, ce qui est bien, c'est qu'elle débraye quand elle voit que t'as pas besoin. Ouais. Ou parfois, elle te dit freine, enfin, ouais, elle anticipe. Moi, déco? Oui. Ah, okay, ah ouais, mais bon, ça. Quand même, 7 litres pour 400 chevaux, franchement, c'est abusé. Hein. Ah ouais, c'est... Après, on est en montagne, hein, donc une descente. Ouais, un point mort. Comme ouais. Si, en fait, c'est comme si t'avais le point mort. Mais moi, j'éteins carrément la voiture, j'éteins le moteur. Ouais, voilà. Même si le volant se bloque, c'est pas grave. Wow. 8 et 7 éteints, je comprends. Les gars, on est parti faire un petit tour à bord de la RS3. Donc sinon, toi, si t'avais un reproche à lui faire, c'est quoi? Le bruit. Ouais, le bruit. Elle chante pas assez, j'ai l'impression, et c'est dommage. Ouais, parce que tu compares aux anciennes versions, c'est pour ça. Ouais, c'est ouais, ouais, beaucoup c'est plus ça. De caractère. Ouais. Putain, mais il y a des bestioles partout. Comme par hasard. Vas-y, ouvre le toit, peut-être ça va la faire partir. Et du coup, t'as eu quoi avant celle-là? Avant celle-ci, j'avais une S3 8V. Ouais. Et je pense qu'elle, il manquait juste le 5 cylindres. Ok. Et franchement, elle était top. Suspension magnétique et tout, c'était, ouais. C'était top. Ok. Là, t'as un sport, c'est ça? T'as un sport là au niveau de conduite? Non, je suis en éco. Éco, ça quand même raide. Hein, franchement, c'est pas. Bon, après, je pense que c'est la philosophie de la caisse. Et du monde. Hein. Regardez les gars, franchement, tu Waze et tout, tranquille. On peut mettre la télé aussi. Ah carrément, en conduisant. Ah ouais. C'est stylé en vrai. Franchement, ça, la petite plaquette, là, ça fait plaisir. Et là, si tu devais la changer, tu la changerais pour quoi? Une C63. C63, coupé ou 4 portes? Hybride, 5 portes. Ah, la nouvelle, là. Ah ouais, là, 680 chevaux. Là, si tu te plains du bruit, là, alors l'autre, c'est même pas la peine. C'est vrai. C'est Mais bon, 680 chevaux, ça doit envoyer quand même quoi. Ouais, mais je pense que le bruit, ça y fait beaucoup dans une caisse, tu vois. C'est ça que je trouve ça fou, hein. C'est 63 avec un 4 cylindres. Ouais, là, c'est, franchement, c'est abusé. Jamais de la vie, j'aurais pensé qu'un C63 sortait en 4 cylindres, tu vois. Ça s'appelle l'évolution. Ouais, de ouf. L'évolution, les normes. J'avoue, il fait chaud dans la bagnole. Là. Le frérot, je suis rentré dans la voiture, il avait les sièges chauffants alors qu'il était hyper beau. Il me dit, allez, je suis un gars des îles, moi. Bah ouais, moi, il faut 40 degrés minimum. Ah ouais, non, mais minimum, le gars, la voiture, il transpire et tout. Ça va, frérot, t'inquiète, je suis bien avec les sièges chauffants. Par contre, c'est bien qu'ils aient mis les sièges chauffants, tu vois, avec ce genre de siège. Parce qu'en général, quand t'as des baquets comme ça, t'as pas le chauffant. Et ben, autre point négatif que je trouve à la performance, c'est que t'as forcément les baquets. Et ouais. J'aurais préféré avoir les sièges normaux avec massant. Ah ouais, voilà. Toi, t'es vraiment dans le confort. Mais je vis dedans, donc forcément. Ouais, c'est quoi. Ça, ouais, c'est ça. Et franchement, ils sont pas inconfortables. J'ai connu pire, tu vois.
pris la route, il a pris la route à son père. Ah ouais. Oh putain. Je suis choqué, on dirait un propulsion. Non, non, c'est trop. Putain, qu'est-ce que ça marche. En vrai, les virages s'entraident quand même ici. Frérot, il me fait des épingles de rallye. On a dit qu'on terminait les pneus aujourd'hui. Allez, go. Ah ouais. Non, ça marche de fou, putain, comme c'est efficace. Ah voilà. Eh, j'ai perdu 12 kilos dans la vidéo. Ça y est, on est arrivé. Je suis pas bien. Oh putain. Ah ouais, ça a abusé. Oh ouais. Ah non, c'est abusé, franchement. Tu la pilotes bien, hein, franchement. Ah ouais. J'ai pas le mode drift, sinon elle serait. Ouais, ouais, non, le mode drift. Mais franchement, il n'y a pas besoin. Oh, comme c'est joueur. En vrai, c'est un kiff de ouf, vraiment. J'aurais jamais pensé dire qu'une RS3 soit joueur, tu vois. Franchement, sur celle-ci, ils ont fait un grand effort. Ouais, donc, non, c'est franchement, il y a un vrai taf. En fait, je pense qu'il y a le torque rear, le fait que ça envoie le couple, suivant le virage d'un côté ou de l'autre, ça joue énormément. Parce que la RS3 8V, t'as vraiment du mal à aller prendre les virages. T'as l'impression que t'es lourd. Midi, non, là. Ouais, vas-y. Non, franchement, tu la pilotes très, très, très bien. Ça fait combien de temps que tu l'as? Deux mois. Deux mois et tu conduis comme ça. Dans un an, les gars, la voiture, on la voit sur tous les ronds-points en travers comme ça. Ouais, c'est une dinguerie. Non, franchement, c'est incroyable. Vraiment. Après, tu as plusieurs modes. Tu as le mode dynamique, torque rear ou ça passe en mode propulsion. Ah ouais, carrément. Ouais. Oh putain, c'est lourd. Mais j'utilise pas parce que c'est radical. Ouais, non, mais rien que là, franchement, la vérité, on dirait un propu limite des fois. C'est abusé. Regardez les gars, la force G, parce que tout à l'heure je vous l'ai montré, mais il m'a amené en enfer. Après, regardez les gars, la pression pneu, on a même les degrés dans chaque pneu. C'est incroyable. Les gars, quand deux RS3 se suivent, ça donne ça. Ouais, elle demande qu'à partir. Ouais, non, c'est abusé. Mais le châssis, il est incroyable. Franchement, les routes, elles sont top. Hein. Regardez les gars, la petite neige et tout en face. Le cadre, il est incroyable. Voilà, l'ami, c'est ici que s'achève la vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, les gars, à vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Erwin, merci à toi. De rien, ça te fait un grand plaisir. Franchement, tu m'as fait une conduite, frérot. Laisse tomber. Et il vient d'avoir que le A. Hey, j'ai pas encore le B. Ça fait deux mois qu'il a la bagnole. On dirait ça fait 5 ans, le gars. Non, regardez c'est les gars. Pas vrai, il a le permis depuis longtemps. Bah oui. C'est juste qu'il veut faire le pirate. Regardez les gars, franchement, le cadre il est incroyable. Avec les deux voitures là. Franchement, ouais, c'est beau. Je la remontre une dernière fois, les gars. Regardez comme elle est magnifique. Donc voilà la MIF sur ce. Ciao, ciao. Ciao.